La défense qu'on va faire maintenant, c'est valable. Donc pour les ceintures, ben c'est pour la verte. Mais peu importe. Une attaque bâton circulaire ou une attaque à la batte. C'est quasiment la même chose. On fait un peu de baseball, on fait plus jeune. Voilà, ça c'est la même chose. Par contre, double force. Déjà, c'est un peu plus lourd qu'un bâton en général. Et la synergie de mouvement, c'est vraiment un peu plus lourd. Donc dans l'idée, vous bloquez bien avec les deux parties musculaires. Là, vous capturez le bras. Frappe en haut, frappe en bas, frappe vers la batte. C'est à moi de servir. On s'applaudit. Alors ça, c'était en garde. Vas-y, on ralentit. Vous interceptez donc une partie ici. S'il me tape en haut, c'est les mains qui vont intercepter. Partie musculaire, jambon. Pour reparler du soulevé. S'il m'attaque dans les jambes, tibia ici. On n'est pas à l'abri de se taper le manche ou quoi que ce soit, mais ça, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, et important, si vous êtes en neutre, la technique n'est pas la même. Je regarde surtout là-bas parce que c'est surtout pour eux ça. Si vous êtes en neutre, on n'a pas dans l'idée, au Krav Maga, on n'a pas le temps de faire ça. Même si ça prend qu'une demi-seconde. Là, on va faire ça. Dans l'idée. D'accord? Selon le programme technique, c'est ça. Je ne l'aime pas trop, mais je vous le montre. Moi, d'instinct, je fais ça. Celle-là, je trouve que vraiment, elle passe, assez, elle passe partout, celle-là. Si on ne se trouve pas dans le timing. Ça, c'est vraiment, je suis comme ça. Travailler à 360 degrés aussi. Le mec, il est là. Je ne sais pas où ça vient. Je ne sais pas où ça vient. Protection de la tête. Ce qu'il faut, c'est sur une batte. Après, je vous libère et je vous fais travailler. Double blocage. Et de suite, vous capturez les bras et vous envoyez ici. Donc sur un bâton, on peut capturer à une main, on peut peut-être bloquer à une main entre guillemets en rentrant dedans. Là, c'est deux mains obligatoires et de suite on capture le bras ou la batte et on joue. On essaye ? Salut à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Si tu visionnes cette vidéo, c'est que je suppose qu'on a une passion en commun qui sont les arts martiaux ou la self-défense. Eh bien, tu vas être content, reste attentif à ce qui va suivre parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un accès gratuit à une formation en ligne de self-défense. Alors, si tu ne me connais pas, tu verras, on aura l'occasion de faire connaissance à travers mes différents modules de formation donc que je t'offre donc pour te souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Alexandre Acariès, je suis un très grand fan, passionné, voire obsédé des arts martiaux ou de la self-défense. Donc, comme je viens de te le dire, pour te souhaiter vraiment la bienvenue parmi ma communauté de fans de self-défense et d'arts martiaux, je souhaite t'offrir une formation en ligne. Comme tu le verras, c'est du contenu vidéo qui va t'aider considérablement à booster ta pratique de la self-défense au niveau supérieur. Tu y retrouveras donc des exercices, des techniques et des principes issus de mon expérience multidiscipline de plus de 25 ans, donc dans la pratique des arts martiaux ou de la self-défense. Alors c'est 100% gratuit, tout ce que tu as à faire pour en profiter, c'est tout simple, tu cliques sur le lien qui est en description donc de cette vidéo, tu vas atterrir sur une page où il te suffira de rentrer ton prénom et ton adresse email et puis je t'enverrai instantanément donc ton cadeau de bienvenue, ta formation offerte sur ton adresse email. Voilà, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant parce que c'est peut-être pas une offre que je vais laisser longtemps en ligne. Et puis donc je te dis, moi, me concernant, je te dis à tout de suite donc dans ton adresse email pour consulter ta formation vidéo offerte. À tout de suite.